Plusieurs femmes disent qu'elles ne prennent pas soin de leurs cheveux naturels parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas suffisamment de temps. Ce que moi je vais dire, c'est que quand on a la volonté et qu'on aime vraiment quelque chose, on trouve du temps pour cette chose-là. Donc ça veut dire que si tu veux vraiment prendre soin de tes cheveux, si tu aimes vraiment tes cheveux, tu vas trouver du temps. Tu vas trouver du temps pour prendre soin de tes cheveux. Maintenant, vous devez savoir que lorsqu'on dit de prendre soin de ses cheveux, il y a des routines qui sont minimalistes. Quand je dis vraiment minimaliste, ça veut dire que c'est le strict minimum pour prendre soin de ses cheveux. Tu peux avoir une fréquence d'une routine par mois. Donc, c'est-à-dire que dans un mois, tu vas choisir un seul jour où tu vas faire ta routine. Ce jour-là, tu vas faire ton prépoux, tu vas faire ton shampoing, tu vas faire ton après-shampoing, ton masque. Ensuite, tu vas hydrater tes cheveux. Soit tu vas te faire une coiffure protectrice ou alors tu vas te faire un twist-out. Ça dépend de toi. Mais si tu choisis un jour dans le mois et que tu fais ça et que le reste du temps, tu as des coiffures protectrices et que tous les 3 jours, je vais dire même 2 fois par semaine seulement, tu hydrates tes cheveux, c'est-à-dire tu humidifies, tu mets ta crème, tu mets ton huile. Ça peut te prendre 15 minutes. Donc, on va dire en une semaine, tu auras 30 minutes pour hydrater tes cheveux. Et en un mois, pour ta routine, tu peux, la veille d'abord, tu appliques ton prépoux. Et ensuite, le lendemain, tu fais ton shampoing, ton après-shampoing, ton masque. Donc, on peut dire 4 heures de temps. Et ces 4 heures de temps, en fait, c'est pas tu es tout le temps sur tes cheveux, tu es tout le temps sur ta tête. Non. Quand il va falloir appliquer, tu vas appliquer pendant 10 à 20 minutes. Ensuite, le temps de la pause, le temps que les produits puissent ancrer dans tes cheveux, tu pourras faire autre chose. Si peut-être que tu veux cuisiner, tu pourras cuisiner. Si tu veux laver tes habits, tu pourras laver tes habits. Si tu veux visionner, tu pourras visionner. En tout cas, ces 4 heures de temps, tu ne les passes pas totalement sur tes cheveux. Donc, tu appliques, tu laisses le temps de pause, ensuite tu rinces, ensuite tu fais ton masque, ainsi de suite. Donc, de manière minimaliste, on peut vraiment prendre soin de ses cheveux. Donc, à dire qu'on n'a pas le temps, moi, je ne sais pas si c'est vraiment une excuse, dire que je n'ai pas le temps pour prendre soin de mes cheveux, à part si vous êtes super, 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 super occupé. Mais en tout cas, vous avez le temps pour manger, vous avez le temps pour vous laver, vous avez le temps pour causer avec vos amis. Donc, si vous voulez prendre soin de vos cheveux, vous allez trouver le temps. Moi, je pense, honnêtement, vous allez trouver le temps.